Salut, c'est Kelana et nouveau jeu sur Far Cry New Dawn, la suite de Far Cry 5. Qui se passe 17 ans après, je crois. Après que Joseph Seed il ait fait exploser une bombe. Voilà. Donc un univers post-apo. La première fois, il me semble, pour sur un Far Cry. Oui, après. Enfin, après. Alors, on va aller dans les options. Gameplay. Tir aliénance. Très normal. Ça non. Volume général. Musique, oui. Mode streamer. Vos sons. Mes vidéos sont pas monétisées, donc je m'en fous. Langue française, sous-titres français, nom du personnage, oui, par défaut. Non. Non plus. Seuil de captation. Ok. Mode daltonien, je suis pas daltonienne. Cul, oui. Alerte aux explosions, boussole. Ah, on peut tout enlever si on veut jouer. Bon. Nouvelle partie. Un type de corps. En tant que capitaine de Thomas Rush, votre mission est de sécuriser et construire des colonies partout en Amérique. On peut jouer un mec ou une fille. Hop. Oui. Alors. On va mettre en explorateur. Oui, je joue en facile. Je m'appelle Carmina Rai. Le jour où je suis née, c'est le jour où le monde s'est effondré. Les survivants ont dû apprendre à reconstruire leur vie sous terre. En surface, il n'y avait rien. Des cendres, le froid et la mort. Les gens pensaient que ça n'aurait pas de fin. Mais sans nous, la vie a repris son cours. J'avais déjà 6 ans la première fois que j'ai vu le soleil. Papa et maman ont eu le cœur brisé par ce qu'ils ont vu. Leur monde avait disparu à jamais, mais... Mais pas moi. Je n'avais jamais rien vu d'aussi parfait. Nous n'étions pas les seuls à avoir survécu. Et lentement, mais sûrement, notre communauté a grandi. La vie n'a pas été facile, mais pendant un temps, on a vécu en paix. À Prosperity. Un nouveau foyer. Une nouvelle vie. De nouveaux espoirs. Mais, comme à chaque fois dans ce monde, c'était trop beau pour durer. Les ravageurs sont arrivés par l'Est, avec 2 sœurs à leur tête. Les jumelles. Quelqu'un leur avait parlé de notre petit paradis. Et ils avaient décidé de s'en emparer. On n'avait aucune chance. Ils nous ont pris nos provisions, nos maisons, nos familles. Il nous fallait un miracle. C'est là qu'on a entendu parler de Thomas Rush. Avec son capitaine, ils longeaient la côte ouest pour aider d'autres communautés à reconstruire. Et ils étaient à bord d'un train en direction de Hope County. Ma mère m'a envoyé leur parler pour les convaincre de nous aider à reprendre notre région. C'était notre dernier espoir. Notre salut. Mais là, tout a viré au cauchemar.
En fait, le jeu, c'est métro, c'est ça? Il y a un train? Il y a des gens méchants? Le temps de chargement. Allez. Ben donc. Oh merde. Oui, c'est métro, il a un briquet. Capitaine. Bonjour. Capitaine, vous êtes en vie? Les seigneurs, ils viennent. Ils viennent par ici. Ils viennent nous chercher. Allez, debout. C'est ce putain de ravageur. Ils vont nous massacrer. Debout, capitaine, debout. Bah aide-moi au lieu de... Dieu, Barnes, si vous criez comme ça, vous allez les attirer vers nous. Rush, vous êtes en vie? Aidez-moi! Non, non, on n'a pas le temps, il faut qu'on se tire! Barnes, on va pas abandonner le capitaine comme ça. Lâche, va. Ils arrivent, et vite. On doit rester bien groupés, c'est compris? Capitaine. C'est à vous de jouer. T'as pas un flingue, plutôt? On va réunir tout le monde, et il faudra que vous nous trouviez une sortie. Puis je te piquerai ton blouson aussi, il est bien. Chaque chose en son temps, Barnes. Passez devant, nous on vous suit. S'échapper du carnage. Oh mon dieu! Attends, il y a des trucs là. On doit trouver le wagon de l'armée, s'équiper et sauver le plus de personnes possible. Oui, mais on n'a pas le temps de dire. J'ai vu un truc briller, non? Ah bah oui. Un medikit. Oula. Attends. Y'a pas un truc pour la sensibilité? Commande. Voir un peu. Voilà, c'est mieux. Faut qu'on trouve le wagon de l'armurerie et qu'on prenne de meilleures armes. Toi, tu meurs, toi. Toi, tu meurs avant la fin. Par ici, Bart. On suit le capitaine. C'est trop tard. On doit s'enfuir. On peut sauver d'autres gens. C'est bien. Ça c'est quoi? Voilà, Yoka. Je sais pas ce que c'est. Et c'est quoi cette musique de naze? Écoutez les petits ravageurs. On a détruit ce putain de train. Et maintenant, on va prendre tout ce qui en est pris. Si quelqu'un s'interpose, tuez-le. Oh mon dieu, une tempête de sable approche. On aura des gros ennuis si on se retrouve au milieu. Là, elle est vivante. Prends de la force. Je savais qu'on n'aurait jamais dû venir à Hope County. Ne vous éloignez pas, Barnes. Restez avec vous. Ça va passer loin. Merci, capitaine. Vous allez nous poser des problèmes. Pardon? Oui, mais pousse-toi. Pousse-toi. Hé, hey, c'était mon flingue. Répondez à la question, putain. Je l'aide au cou. Ah, flingue. Vous êtes deux. R3. Oula. Qui c'est qui nous voit? On a niqué votre ah. Ah, je les entends, je vois pas où ils sont. Ça vous apprendra à venir faire chier. Mais non, t'inquiète pas. Tu viens avec nous.
Le mec, il voulait pas la lâcher, sa note de sécurité. Hein. Pour une fois qu'on n'a pas à courir. Plus vite on trouvera tout. Mieux ce sera. Mon Dieu, les ravageurs sont partout. Je crois vraiment qu'on ne peut pas rester là. On ne peut pas s'arrêter là. Un tuyau. On va faire le flingue. Mais non. Capitaine. Ah. J'avais mis en facile pourtant. N'est pas me chercher surtout, hein. Bon, c'est pas grave. Vous avez quoi? Vous avez qu'à tous mourir, voilà. Tous à la rivière. Capitaine, Barnes, tout le monde avec moi. Vous n'avez aucune chance. Alors quoi, vous rendez les choses faciles? Soit on s'amusera un peu avec vous. Il faut pas qu'on reste ici. Que tout le monde se replie. Repliez-vous. La tempête se renforce. C'est juste qu'il faut tenir. On n'a pas... Là, je me suis trompé. Il faut... faut courir. Comme tout dans tous les Far Cry, il faut courir au début. Attention, Bart! Surtout que personne ne tire. On va voir ce qu'elle fait. Joyeux putain de Noël, bande de guignols. On a reçu un train entier rempli de beaux cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on a là? Des lapins. J'ai une petite question pour vous, les lapins. Vous pensiez que ça finirait comment? Vous débarquez dans un immense tas de ferraille, sous un nuage de fumée noire. Vous pensiez que ce serait discret? Vous voulez quoi, Barnes? Vous êtes du genre à causer des putains de problèmes ou bien à les résoudre? Quoi?
Notre cher papa disait toujours que soit on cause des problèmes, soit on les résout. Et il y a déjà beaucoup trop de problèmes dans le monde. On cherche des gens pour nous aider à les résoudre. Enfin, nos problèmes. Si tu résous les problèmes, alors dans ce cas, on te gardera. Bouffe, vêtements, flingues... T'auras tout ce qu'il faut. On a même la sécu. Mais si tu nous causes des problèmes, là, notre père nous a appris quoi faire dans ce genre de cas. Tu poses des problèmes, on te résout. Notre vieux père a résolu plein de problèmes en son temps. Ouais. Alors, mes petits lapins, vous allez causer des problèmes ou vous allez les résoudre ? On les résout, on les résout. On a résolu des problèmes partout dans le pays. On peut fournir l'eau potable, des abris, on peut faire tout ce que vous voulez. Vance, la ferme ! Tu peux faire tout ça ? Bah... pas moi, mais... Mais Rush... Oh putain, Vance, ferme ta gueule. Alors toi, tu vas nous aider à résoudre plein de problèmes. Allez vous faire foutre. C'est bon ? Donc, je repose la question. Vous allez résoudre tous nos problèmes, Monsieur Rush ? Ok. Allez, sauvez-vous ! Mais non, mais j'allais me la faire. J'ai pas peur de Rihanna, hein. C'est Rihanna et Beyoncé, hein. Mais la rose a l'air plus violente que la bleue. Sécurité. Moi, c'est Carmina. Bonjour. Mon Dieu, je vous ai vu tomber dans l'eau et j'ai pu vous en sortir avant qu'il soit trop tard, mais... De ce que j'ai vu, je crois bien qu'on est les seuls à s'en être tirés. Ouais. Allez. On est dans la merde, quoi. Ok. On doit faire attention. Les jumelles, elles ont emmené Rush, mais ça grouille encore de ravageurs dans le coin. Ok. On doit retourner à Hope County. Ma mère saura quoi faire. Allez. Non. Allez. Ouais, j'ai plus rien. Juste qu'on suive la rivière et on sera à Hope County. Oh, j'ai des pieds. J'ai du mal à croire ce qui s'est passé. Ils ont dû voir le train arriver. J'aurais dû plus me méfier. Putain de jumelles, Mickey et Lou. La première fois que je les ai vues, c'est quand elles sont venues à la maison. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Chez elles maintenant. Et qu'on avait le choix entre partir ou brûler vivant dans les décombres. C'est pas des rats-taupes, ça ? Mon père a voulu résister. C'est moche. Alors elles l'ont emmené. Et elles ont pris la maison. Ma mère et moi, on a dû repartir de zéro. On n'était pas les seules victimes. Mais ma mère a réussi à réunir des survivants et on a tenté de reconstruire un endroit pour nous abriter. Y a pas un flingue ?
Munitions de lance-ci. En tout cas, c'est vachement plus coloré que le Far Cry 5. Merde. Il y a un tunnel plus loin qui mène à Hope County. Mais les ravageurs bloquent le passage. Il va nous falloir de quoi nous battre. Venez, on avance. Un caribou. Coucou. Monsieur, ça va, monsieur? Non, monsieur, il va pas bien. Chercher de l'aide. À l'intérieur, il y a un établi. Vous pourrez y fabriquer une arme. Rush devait nous aider à concrétiser tout ça pour pouvoir enfin riposter. Et maintenant, c'est encore pire qu'avant. Je suis désolée pour vos compagnons. Je vous promets de trouver un moyen de les venger. Oh ben là, Rush, il est en train de se faire victimiser par Beyoncé et Rihanna. On va déjà trouver une arme. Et on ira le sauver après. Ah, du scotch. Fouiller partout. C'est l'établi dont je vous parlais. Rush a dit que vous étiez pleine de ressources. C'est le moment de le prouver. Ouais, je suis pas MacGyver non plus. Le scotch, c'est la vie, hein. Voilà. C'est rien, c'est juste un caribou qui s'énerve. J'ai entendu un truc. Oui, bah, c'est moi qui tape dans le... Vous pouvez utiliser ces établis pour fabriquer des armes et faire le plein de munitions. Jetez un œil aux armes disponibles. Ok. Bien joué. On a tout ce qu'il faut pour fabriquer une arme maintenant. Lance-ci, furtivité. Lance-ci, lance des si. Elles rebondissent partout, sauf sur le sol, jusqu'à 3 fois. C'est un lance-ci. Ah bon? Voilà. Recherche munitions, recherche vendre, matériel. C'est tout, il n'y a pas de. Merde, c'est un truc qui lance des si. Incroyable. Bien, ces ravageurs vont passer un sale moment. Maintenant, on est prêt à attaquer le pont. Attends. Voilà. Faut ramasser tout le scotch. Là, il n'y a rien.
pense que j'ai tout. Je crois qu'elle a pas aimé. J'arrive, espèce de... J'écoute, j'étais foutu. Mais non, t'inquiète. C'est quoi ça? Ça fait très très mal. Mais quoi, que je t'avais pas vu, toi? Hop. 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 Mais cette arme, elle est magique, hein. C'est... Par contre, elle met un temps fou à recharger. Où ils sont? Faire un petit pillage avant. Hop. 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 Zombie.
Dire que j'ai eu de la chance. Oui, c'est parce que j'étais là. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça va. C'est quoi? Oh, ça me fait penser au tunnel de Dying Light. A few moments later. Ok, allez, on y est presque. Et voilà. On y est. J'espère que maman va bien. Oh, Dieu merci. Je me faisais tellement de soucis. Oh, maman. Les enfants, rentrez à la maison. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? On avait tout un train rempli de gens prêts à nous aider. Mais... les ravageurs, les jumelles... ils ont pris Rush. Et ils ont massacré tous les autres. Oh mon Dieu. C'était un cauchemar. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ils ont tué Barnes alors que je me le réservais. Moi, maman, j'aurais jamais dû aller là-bas. Oh chérie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas. Je sais pas. Je veux dire, personne viendra nous aider. On est seuls, y'a que nous. Chut. Entrons à l'intérieur. Tu pourras me raconter tout ça. Je vous remercie de l'avoir ramené. Arrêtez, écoutez-moi. Vous maniez bien les armes. Et toi, tu sais t'orienter dans la vallée mieux que personne. Et? Et alors? Ça sert à rien de rester là à ruminer nos malheurs. Écoute, Rush devait nous aider à construire un endroit sûr. Alors, on va le faire. On a des gens courageux un peu partout. On doit juste les trouver. Et les rassembler. Pour montrer qu'on n'a pas peur des ravageurs. J'ai peur que ce soit pas facile. Je sais. Mais on n'a pas vraiment d'autre choix. Honnêtement, je pensais pas que Carmina reviendrait, et en plus, avec de l'aide. Donc elle, c'est la fille de... c'est Nick qui s'appelait, je sais plus. Je me tâte à rejoindre ces malades masqués. Capitaine, vous avez une minute? Non, j'ai pas le temps. Je dois payer ta baraque d'abord. Oh, des tartines grillées. Hop là.
me demande ce qu'on fera quand on sera à court d'adhésif. Je vous l'ai dit, le scotch, c'est la vie. Oui, c'est ça, c'est le mec qui conduisait les... Quoi qu'il arrive après ça, je suis content que Carmina soit de retour. Les avions. C'est Nick, je crois qu'il s'appelle. Dans votre inventaire. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on va construire ? J'essaye les boutons, hein. Bonjour, mademoiselle. Tu es très très moche. Tous les adultes ont le droit de jouer avec des pistolets et des voitures, mais moi non. Maman dit que c'est dangereux. Mais si c'est dangereux, personne ne devrait jouer avec. Oui, mais on n'a pas trop le choix là. Bosse comme un chien ici, mais ça vaut le coup. Bonjour. Bonjour. Dame. Si on veut que Carmina ait un avenir, on doit développer Prosperity. Oui, bah détends-toi, on est qu'au début du jeu. Voilà, on y est. Chez moi. Maman a raison. À nous deux, on peut se débrouiller pour reconstruire cet endroit. Si vous avez besoin d'un coup de main, contactez-moi. Je viendrai combattre à vos côtés, capitaine. Ça vous dérange pas si je vous appelle capitaine ? Capitaine de la sécurité, ça fait un peu trop... sérieux. Ça fait trop long, surtout. Vous avez eu un sacré coup dur. Si vous voulez vous rafraîchir et vous changer avant qu'on s'y mette, vous trouverez des vêtements là-bas. Vous devriez parler à ma mère. Elle vous expliquera ce qu'on peut faire pour aider Prosperity. On a tellement à faire. Comment on va pouvoir réussir à remettre Prosperity sur pied ? Changer de vêtements... Ces connards masqués me laissent rien. Donc je me change devant tout le monde, c'est ça ? Nourrir avant qu'ils arrivent. Veuillez effectuer quelques choix de personnage avant de le personnaliser. Voilà, moi je suis très blanche de peau. Voilà. Alors déjà, on va changer cette horrible coupe de cheveux. Ouais, ouais. Ouh là là. Non, ça c'est moche. Ça c'est très très moche. Ça aussi. Ça c'est ma coupe de cheveux de maintenant. Voilà, alors. Un petit t-shirt. Non, celui-là est mieux. Pantalon. Alors, ça, c'est bien. Une petite moustache. Chapeau de cow-boy, une casquette. Voilà. Roger Cadoret. C'est qui ça ? Allez, au boulot. Moi, c'est Kim. D'une certaine façon, c'est un peu moi qui commande ici. Je sais que vous avez beaucoup souffert, capitaine, mais... à dire vrai,
On a besoin de toute l'aide possible, ce qui veut dire qu'on a besoin de vous. On pensait que les gens du train allaient pouvoir nous donner un avantage. On devait tous collaborer pour cultiver et fabriquer des trucs. On était censés riposter contre les jumelles. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Bon, on va devoir se débrouiller. On a du pain sur la planche. Je vais vous montrer comment on fonctionne ici. Ici, c'est Prosperity. Si on veut avoir la moindre chance contre les ravageurs, la première chose à faire, c'est de remettre cet endroit sur pied. On a plusieurs installations pour développer Prosperity. C'est là que vous pourrez fabriquer des armes et des véhicules, cultiver des plantes pour vous soigner, et d'autres choses encore. Et voilà Hope County. Pour exploiter au mieux nos installations, on a besoin d'éthanol pour les améliorer. Votre carte indique les avant-postes des ravageurs, où ils stockent celui qu'ils nous volent. Libérez-les pour obtenir ce qu'il nous faut. Et c'est ici que vous trouverez des spécialistes, des gens experts dans leur domaine pour nous donner une chance contre les jumelles. Ramenez-les et Prosperity s'en trouvera renforcée. Et vous aussi. Mais sans Thomas Rush, on n'ira pas bien loin. Il a déjà construit d'autres colonies. Sans son aide, on n'arrivera jamais à développer Prosperity. Ces derniers temps, les jumelles envoient pas mal de prisonniers dans leur mine de charbon. Je commencerai par là. Alors voilà. On sauve Rush, on trouve des gens pour s'occuper des installations et on leur apporte assez d'éthanol pour optimiser ce qu'on sait faire. Si vous pouvez nous aider, nous ferons tout pour en faire de même. Je veux plus jamais voir l'intérieur d'un bunker jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, comme dans tous les Far Cry, quoi. T'as de la chance d'être en vie après ce crash. Mais qu'est-ce que tu me parles mal, toi? Oh, salut. C'est toi le capitaine du train, non? Salut. La chair fraîche pour la bataille. Bien. C'est toi qui parles le québécois? On m'a dit ce qui s'est passé. Désolé pour ton groupe, capitaine. Mais au moins, t'es au meilleur endroit de tout Hope County maintenant. Puis crois-moi, j'ai vu tous les autres. Moi, c'est Roger, le pilote personnel de Prosperity. Sérieusement, si jamais t'as besoin que je te ramène à Prosperity, t'as qu'à demander. Je peux bien faire ça pour toi, mon ami, pas vrai? Et puis, si t'as besoin d'un petit bonus, ça aussi, c'est mon rayon. Je me suis fait une spécialité de piller les forteresses des ravageurs dans tout le pays. J'ai trouvé des trucs super cool. Mais depuis que ces calices de jumelles sont arrivées... Oh mon Dieu, c'est des calices! Assez d'éthanol pour voler en dehors de Hope County. Tu sais quoi? Si tu me trouves assez de carburant, on ira piller les ravageurs ensemble. Ça sera pas facile, mais crois-moi, ça vaut le coup. Trouve-moi de l'éthanol, tu vas voir ce que je veux dire. Merci, Roger. Je l'ai enfilé, mais je me suis mal reconnue. Je crois que c'est pour ça qu'ils importent. Ça sépare qui ils sont vraiment, de ce qu'ils font. Ils se cachent derrière leur masque. Et vous savez ce que j'en pense? C'est des lâches. Bonne journée, hein? Il paraît que Wade Fowler comptait ouvrir un refuge pour animaux dans la vieille église plus loin. On raconte qu'il a passé l'arme à gauche. Mais il y a peut-être du matériel à récupérer là-bas. Quoi qu'il arrive après ça, je suis content que Carmina soit de retour. Oh, il y a des poulets! Ah, je peux pas les frapper. Ce jeu est nul. Bon alors. Je suppose que c'est un avant-poste, là aussi. Donc il faut aller ici. Rejoignez la mine de charbon. On va passer là d'abord.
Alors... Content que tu sois de notre côté. Elle nous suit ou elle est là? Ouah non, pas les serpents. Mystérieuse qu'empêche les gens d'aller trop au nord. On n'a pas fini de souffrir. Maman fait tout ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas construire l'outil toute seule. On doit être tous si mal. J'arrive pas à croire que t'es survécu à ce crash. J'ai jamais eu beaucoup d'amis en grandissant, alors j'ai pris l'habitude de me parler à voix haute. Non mais si tu pouvais fermer ta gueule, hein? Si on croise le nouvel. Et ils ont fini? Où il est? J'ai connu pire. Je vais les faire entièrement disparaître. Fermez vos gueules,
Mais va pas vers le serpent. Les ravageurs ont des groupes aux quatre coins du pays. Et de temps en temps, ils s'envoient du ravitaillement pour s'entraider. Si vous apercevez un avion, c'est forcément eux. Vous aurez intérêt à courir pour prendre le colis en premier. Et vous devrez sûrement vous battre. Merde, c'est perdu. Mais c'est que le cul, pauvre merde. Où elle est? Je vais par là-bas. Moi aussi, je t'ai trouvé. Mais où c'est que t'es? Oh! Mais non, non, non. Ok. Alors, attends. Talent. Grappin, chalumeau, parachutiste, canne à pêche, serrurier, mécano, court-circuit, jumelle tactique, à couvert, dextérité, exécution avancée, porter une troisième arme. Coup 2. Je vais prendre les... Ah, je peux même pas prendre les jumelles tactiques. Bon. C'est pas passé loin. En fouillant dans l'église l'autre jour, j'ai trouvé une sorte de crypte sous le bâtiment. Tu parles d'une surprise. L'endroit avait l'air idéal pour y stocker mes affaires. Nous verrons ce que j'ai dompté. Ok. Et on va le piller. Donc il faut sonner la cloche pour que l'ours se pointe. C'est pas le dessin de l'ours qu'il y avait dans Far Cry 5, hein? Attendez, on va sonner la cloche. Mais, vas-y, monte. Tous ceux qui s'installent à Prosperity participent à son essor. Le ours? Mais voilà. Tu es l'ours. Bon, c'est pas gentil, ça. J'ai vraiment hâte. Oui, j'ai vu. Ah. Allez, on l'a vu, on l'a vu.
Je mourrai un autre jour. Tu te prends pour James Bond ou quoi? Donc ça, c'est l'entrée. J'ai vu un truc briller là. Voilà. Est-ce qu'on peut aller dans l'église? Non. Pas. Allez. Alors. Voilà, de l'argent. Des nounours. Hope County était rempli de survivalistes. Ils ont tous disparu, mais on trouve encore leurs trésors enfouis dans le coin. Je vous conseille de ne pas les ignorer. Vous trouverez forcément quelque chose d'utile. Je t'en supplie, Wade. Cet ours a rien de docile. Un jour, tu vas sonner ta cloche pour la paix. Il va débarquer en courant pour te bouffer. T'aurais pas pu filer tes clés à un oiseau, non? Quelle bestiole qui bouffe pas les gens, quoi. Voilà. Donc. Talent. Et ça, ça vaut 2. Et j'ai 4 points disponibles. Donc, on va faire ça. Grappin, canne à pêche. Si on peut récupérer l'arme. Yeah! Bon, il fait un boucan d'enfer, mais... ça servira toujours. Personne a survécu au crash, mais elle fait les pots cassés. Donc t'as fini de raconter ta vie là. Sauvage. Essayez de repérer les éclaireurs. Ils savent tout ce qui se passe à Hope County. Entre les avant-postes, les caches de survivalistes et les nouveaux alliés, ils mettront votre carte à jour avec les emplacements qui méritent d'être visités. Bean, notre chef, a un petit souci. Il s'est fait avoir par un de nos anciens collègues. Tu pourrais aller lui parler? Ça me rassurerait de savoir que t'as pu l'aider. Plus on se développera à Prosperity, plus on aura une... Ça c'est quoi ça? Fusil à pompe. C'est toujours un plaisir de faire. Pas mal de gens sont prêts à échanger à Hope County. Pour beaucoup d'entre eux. Je sais que c'est un vendeur! Si vous croisez quelqu'un qui porte un sac à dos, je vous conseille de voir ce qu'il transporte ou ce qui serait prêt. Putain, quoi.
Ah, c'est pas de l'argent qu'ils donnent. Ah, il y a des sangliers verts. Waouh. Oh, pauvre nounours. Ah, en tout cas, celui-là, il est joli. Ouais. Les loulous. Et c'est saloperie de moufette. Matériel de combat. Recharger munitions. Munitions au maximum. Cache de composants. Cache d'adhésif. Poisson. Prédateur. Mission. Ok. C'est quoi ce truc là-bas? C'était un peu une corvée de chasser le gibier, mais aujourd'hui je donnerais n'importe quoi pour avoir ce genre de temps libre. C'était juste une voiture. Oula. Bah la mine c'est pas là. J'ai connu pire. J'ai la pompe, ça c'est bon. Ça c'est quoi? Loup gris. Seulement à cause de mon père. Voilà, il y en a un qui a oublié de l'adhésif. Voilà. Ta vengeance, ça sert à rien, je le sais. Voilà, quand vous partez chez vous, faut pas oublier votre rouleau de scotch. Comment on fait pour grimper? Ouais, j'ai pas le grappin. J'adorais faire le mur la nuit. Ne laissez pas vous approcher! Oula. Merde. Oh merde! Quoi? Ah! Ah mais c'est la violence. J'ai cru que j'étais foutue. Bien.
C'est quoi ça là-bas? Dévaliser le pillard. Ah, faut le choper! Capitaine, on nous signale que les ravageurs envoient. On s'en fout! Mais c'est des gros trouillards. Ils s'enfuiront au moindre problème. Si vous en croisez un, tuez-le et fouillez-le. Vous trouverez plein de trucs utiles dans son sac à dos. Fabriquez-vous un meilleur équipement et des armes avec les ressources que vous trouverez. Et rappelez-vous, les habitants de Prosperity feront tout pour vous aider. Profitez-en, ils vous décevront pas. On se tire. La musique qui s'énerve très très vite. Bon, en tout cas, ils ont mis de la bonne musique, ça va. Surprise, connard. Je peux pas rester, je bouge. Ouais, bonne idée. Que je croise pour qu'ils crachent leurs secrets. Il avait aucune chance. Par ici, d'abord. Ah putain. Thank you.
Et bien fait pour sa gueule. Je m'en occupe tout de suite. Mais les cons, quoi. Bien. Si on veut revenir au niveau de l'industrie du XXe siècle. Bien joué. Vous nous avez repris cet endroit. Les tunnels trouvés va bien nous servir. Maintenant, vous avez deux options. Soit vous gardez l'avant-poste, soit vous le pillez. Si vous le pillez, les ravageurs reviendront avec des renforts plus coriaces. Mais si vous le prenez à nouveau, vous mettrez la main sur encore plus d'éthanol. Génial, cette forge. Écoutez, une bonne nouvelle. On sait qu'il y a un lapin dans le coin qui crée des problèmes. On a interrompu une grosse opération. Les ravageurs fabriquaient toutes sortes d'armes avec ce métal. On va pouvoir aménager cet endroit. On dirait que tu t'es vite remise du crash. Génial. Bonjour. Bah, faut dire qu'ils m'ont très mis vite. Ils m'ont très mis dans le bain. Donc j'ai pas le choix. Ouais. Désolée pour cet accueil de merde à Oak County. Ouais, c'est rien. Les ravageurs bouffent tout ce qui marche à quatre pattes. Ils volent les chiens des gens pour les manger. Ils sont enfermés sur une colline. Dark. Je les entends hurler des fois. C'est triste. Les ravageurs. Flingue. Oh. Mon arme fétiche. Lance-flamme. Pelle, flingue. Flingue. J'ai un peu pont. Ah. Donc, oula, je suis allée trop loin. Ouh. Le lance-flamme licorne. Ouh. Ouh là là. Est-ce que je fais ma grosse pétoire? Fusil sniper. Ils vont finir par revenir. On doit rester sur nos gardes. C'était pas simple d'arriver là. Bah déjà, petit coup de sauvegarde. Voilà. C'était par contre. Est-ce que je le pille? Ouais, on va le piller. Ah.
Puis on passe à peu près ça quand les ravageurs prendront avec des hommes plus forts. Voilà. Ok. Donc, on va aller chercher le fien-fien. Talent, j'ai 5 points. Alors, je vais prendre un truc qui est très utile. Voilà. Les ravageurs sont de retour dans la forge. Si vous essayez de la reprendre, méfiez-vous des alarmes. S'ils vous repèrent, ils enverront un exécuteur. Ah. En fait, j'ai pas regardé. Alors, véhicule. Caminale lance-mason dynamite, triple dose. Ouais. Alors, lui, il était dans le 5, Pasteur Jérôme, non? Ouais. Le juge. Gina Guerra. Nana. Mami Nova. Oh non, non, non. Pff. C'est pas possible. Hein. Lui, ils le mettent dans tous les... Monsieur Cochonou. Et le chien-chat. C'est pas passé loin. Mais il y a personne, non?
looking, I'm always on the outside looking in. I learned this at the age of 10. The one who died with the most torture. But it ain't no difference if you in the project or the plantation or you in the pen. Oh non, pauvre toutou. Je mourrai un autre jour. Bah alors. Une clé. C'est dommage, j'ai rien à te donner, toutou. Munition. Immense et minuscule. Ouais, on saute. Ma mère voulait pas que j'aie le chien. On saute. Quoi de neuf, beau toutou? Mais non, saute. Voilà. Sans vouloir nous porter la poisse, j'ai l'impression qu'on peut dormir. Y'a rien. Libérer les amis du chien. Eh oui, on va lui délivrer tes potes. Allez! J'adore ma famille, mais des fois j'ai besoin de prendre un peu de recul. Mais c'est toi que je vais transformer en steak, ma grande. Oula. Ah! J'ai besoin d'aide là! Allez, c'est parti.
À moi, à moi. Il est où? Bah merde, il est où? Ah. Je le vois. Bon, on laisse tomber le largage, on avance. Contre eux. Ah, je n'ai pas touché un seul. Je peux enregistrer la morale. Voilà la mine. Ils ont pas l'air d'être nombreux. Voilà. Rush doit être enfermé au sous-sol. Entrez par tous les moyens et ramenez-le. Bonne chance. Ce magnifique ricochet. Attention là !
Ah. Merde. Je vais pas le prendre ça. Chose, hein. Les requises. Ah bah tiens. Hop. Il y a un trou. Ouais, venez voir s'il y a quelqu'un, allez. Thank you.
Il est tombé comme un caca. Non, faut rien faire. Hop. Allez. Oh mon Dieu. C'est dingue, je croyais que vous étiez morte. Non, non, je suis toujours en vie. J'aurais pas dû douter de vous. Vous êtes revenu pour moi. Ah, espèce de cinglé. Vous êtes revenu pour moi. Mais oui, Barnes, il est mort. On doit partir. Vite. Oui, bonne idée. On se met en route. Attends, il y a pas des trucs là ? Attends. Attends, il y a un truc là. Il y a un truc. Lou et moi, on vous a envoyé le site qu'on a capturé. Il sait plein de trucs. Allez. Alors il va nous dire comment faire pour que la mine tourne mieux. Ouais, ça en a. Mais restez raisonnable. Rappelez-vous, on se met en route. C'est parti. Ah, encore un qui sait pas conduire. Merde, ils arrivent droit sur nous. Où ça, où ça, où ça, où ça, où ça? Où ils sont? Ils arrivent par derrière. Des ennemis derrière nous. Eh oui, mais où? Ah, voilà. Ouais. Ça arrive par la droite. Les ennemis sur la droite. Oula. Mais y'a rien à gauche. Ah si. Des ennemis derrière nous. Ah, lui il a eu de la chance hein.
C'est bon? Oula. Ah, attends. Tout droit, petite route, grande route, ok. On va couper au milieu. Hein. J'aurais jamais cru m'en sortir en ligne. Whop. Merci d'avoir risqué votre peau pour moi, capitaine. Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu. Une nuit, la mine a été attaquée par des gens sortis tout droit de l'âge de pierre. Se battaient contre des fusils à pompe, avec des arcs et des flèches. Ils prenaient des balles, mais revenaient à la charge. Écoutez, je crois pas à la sorcellerie, mais je sais ce que j'ai vu. Ces gens avaient quelque chose que je ne saurais pas expliquer. Et si on découvre leur secret, on aura peut-être enfin une chance contre les jumelles. Je suis vraiment crevé. Faut que je reprenne mon souffle. On est presque arrivé. On peut dire qu'ils vous ont pas fait de cadeau. Ça va, je vais bien. D'ici deux jours, ça ira mieux. J'ai bien entendu. Vous êtes Thomas Rush? Vous devez être Madame Rye. Carmina m'a beaucoup parlé de vous. Votre fille a un sacré caractère. Là, vous m'apprenez rien. Carmina, apporte-moi l'alcool. J'y vais. On va regarder votre blessure. Doucement. Vous allez devoir remettre ça en place. Oh. Et il n'y a plus que vous? Oui. Désolé, j'imagine que vous vous sentez... responsable. Les jumelles sont douées pour vous faire perdre espoir. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'aide. Je suis pas sûr de pouvoir vous être très utile. Rien n'est encore perdu, Rush. On doit faire comme on avait dit, reconstruire et renforcer. C'est pas aussi simple. On avait des spécialistes, des experts. Mais vous étiez peu au début. C'est pas très différent. Vous l'avez déjà fait. Montrez-nous. Il va nous falloir du monde. Des gens qui ont envie d'apprendre. Et très vite. D'accord. Ok, bon, maintenant, vous êtes prêts? Ouais. Parce que c'est moi qui remets la jambe en place. Go. Ah! Bon, très bien. Tous au travail. Wow! Doucement! Stop! On va aller se reposer, d'accord? Ah, c'est une bonne idée. Bonjour. Salut. C'est toi qui as 9 vies, c'est ça? Moi, j'ai 9 vies? Ah bon? Mon spirit doit se renforcer si on veut survivre. Oh, j'ai fait un copain! J'ai pas réfléchi à tout ça. Alors. Cartographie, non. Il est où le truc des armes? Là-bas. $150 sur $150.
Alors, ouvrir. Voilà. Alors, le niveau 2. J'ai la pompe. Ah! Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien aussi. Une fronde. Pourquoi faire? On va rester comme ça pour l'instant. Voilà. J'ai vu un paquet de ravageurs essayer d'entrer dans un vieux bunker pour tout piller. Moi, j'évite toujours cet endroit parce que ça sent le cochon grillé. Mais si tu veux tenter ta chance, fais-toi plaisir. Ok, alors... Quoi qu'il arrive après ça, je suis content que Carmina soit de retour. Si on arrive à bien s'y prendre, on aura bientôt une vraie communauté ici. Pour chaque colonie construite à l'ouest, j'ai toujours fait en sorte d'amener des personnes à la hauteur de la mission. Parce que c'est avec des spécialistes qu'on pourra espérer franchir un cap crucial. Sans ça, on n'avancera jamais. Pour l'instant, on manque encore de spécialistes. Mais ils sont là, capitaine. Ramenez-les à Prosperity et je m'occuperai du reste. Ok. Bah, et approche pas. Alors, sauver deux spécialistes, améliorer les aménagements.